Je suis le frère Soro Kouliri Victor. Mon faisant des disciples, c'est le pasteur Guipa Francis. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré l'année passée de l'esprit de pauvreté. Pendant la croisade, le Seigneur m'avait fait voir un songe où j'avais extrait beaucoup d'or. Juste après cette vision, ce songe, Dieu a changé ma vie. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. J'ai commencé à voir l'argent facilement. Le Seigneur créait les circonstances pour que je ne manque pas d'argent. Depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne manque pas d'argent. Et je vendais les livres. Juste après le songe, j'ai fait une vente particulière, exceptionnelle. Le prix que j'ai imposé, on achetait les livres. J'ai vendu beaucoup de livres, ça me rapportait beaucoup d'argent. Et la cerise sur le gâteau, depuis 2016, j'ai présenté un concours aux impôts pour devenir attaché administratif. C'est ce que le Seigneur m'avait demandé de faire et j'avais échoué 3 fois. L'année passée, après la croisade, je me retirais, je priais, demandant à Dieu de m'exaucer. Et un jour, ma dirigeante, la sœur Catherine, est venue me trouver. Elle a dit vraiment, cette année, c'est chaud. Et elle s'est jointe à moi. Nous avons crié à Dieu. Et la nuit, je fais un songe. Je vois que le Seigneur avait enlevé l'opprobre sur ma vie. Et cette année, je devrais encore présenter le concours de l'année passée. Mais pendant des années, j'étais oppressé. Il y avait une forteresse dans ma vie. J'étais venu voir le missionnaire, mais je n'arrivais pas à la renverser. Je suis allé soumettre du dossier à mon frère et disciple. Ils ont repris mon brisement des liens. 2 jours après, je rentre dans le service, le bureau de l'un de mes supérieurs, une personne qui ne m'est pas familière du tout. Dès que je suis entré dans son bureau, il me dit, cette année, je ferai de toi un fonctionnaire. Jésus-Christ. J'étais contractuel aux impôts depuis 2000. Donc, je suis entré aux impôts en tant que stagiaire. J'étais allé pour valider ma licence. Je n'avais pas la moindre idée que Dieu avait prévu que je reste là. 6 mois après, je devais partir du service. Je suis allé voir mon patron pour dire, je veux, s'il y a une opportunité, que vous me mainteniez. 2015, 2017, j'ai le statut de contractuel. Il faut maintenant que j'intègre les impôts. Et c'est là que le combat devenait sérieux. Donc après le brisement, j'entre dans son bureau, il me fait la promesse. Pendant le renversement de principauté, le Seigneur, après m'avoir délivré de l'opprobre, je vois en songe un immeuble qui s'écroule. J'avais reçu clairement que la forteresse venait d'être renversée. Et Jésus-Christ. En décembre, c'est le même monsieur qui m'appelle pendant que j'étais à la réunion de prière du vendredi. C'est lui qui m'appelle, qui me dit, félicitations Soro. Il dit, mais patron, comment ça, félicitations? Il dit félicitations. Je venais d'être admis au concours. Jésus-Christ. Dieu m'a honoré d'un simple statut de contractuel. Dieu a fait de moi un fonctionnaire avec le grade A3. Je veux lui dire infiniment merci pour cette grande promotion. Que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Lis pour nous dans l'épître aux Éphésiens. Read for us in the epistle to the Ephesians. Au chapitre 6. Chapter 6. À partir du verset 10. Reading from verse 10. Jusqu'au verset 19. Up to verse 19. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi,
prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Amen. Ce passage, this passage, nous rappelle que le combat que nous menons n'est pas contre les individus, n'est pas contre les êtres humains en tant que tels. Recalls us that the fight, the battle we are going through now is not against individual or human being as such. Les gens que le diable utilise sont juste des prisonniers. The people that the devil uses are just like prisoners. Un parent incrédule qui blasphème n'est qu'un prisonnier du diable. An unbelieving parent who blasphemes is just a prison of the devil. Il est dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. It is said that if our gospel is veiled, it is veiled for those who are perishing. Ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Those ones that the God of this world has blinded their intelligence. Mais la parole de Dieu nous révèle qu'il y a un combat. But the word of God recalls us that there is a fight contre des puissances, against powers, des dominations, dominations, des autorités, authorities, des systèmes, systems, des principautés, principalities, des esprits méchants, wicked spirit, dans les lieux célestes, in the heavenly realms. On peut même ajouter dans les mers, dans les eaux. Il n'y en a pas seulement dans les lieux célestes, il y en a dans les mers, dans les eaux. They are not only in heavenly realms, they are also in waters and in the seas. Dans le séjour des morts. And in Hades. Dans les abîmes. In abyss, in the abyss. Dans le livre d'Apocalypse, on parle des esprits de grenouilles qui sortent de l'abîme. And pour combattre, pour exciter les gens à la guerre. In the book of Revelation, they mention the spirit of toads that come out of the sea to fight. Il y a des arbres. There are trees qui ont été possédés par les démons. That have been possessed by demons. Il y a des cours d'eau. There are streams. Ils ont été possédés par les démons. That have been possessed by demons. Par des principautés. By principalities. Quand on les a chassés du ciel, ils sont tombés. Celui-ci dit ça, c'est mon arbre. L'autre tombe dans une petite rivière, il dit ça, c'est pour moi. When they were driven away from heaven, some of them fell into a stream and they said that this is mine. Some of them fell in the trees and they said this is mine. Jésus-Christ. Jesus. Jésus est venu. Jesus came pour ouvrir notre intelligence. To open our understanding. Il y a des esprits dans le séjour des morts. There are spirits in Hades. Tous ceux qui ne sont pas allés au ciel. All those who did not go to heaven. Leurs esprits. Their spirit. Sont errants. They are wandering. Ils sont dans le séjour des morts. They are in Hades. Parfois, ils peuvent sortir de là. Sometimes to get out from there. Vous savez, quand il y a beaucoup d'idolâtrie, you know that when there is much idolatry, les démons montent en puissance. Demons
come up in power. Ils peuvent sortir des abîmes. They can come out of abyss. Et se promener. And wander. Vous savez que il y a à une époque reculée. You know that in the past times, on pouvait entendre des anecdotes telles que quelqu'un est sorti, il a rencontré les fées dans les boîtes, ils sont allés à la maison. We could hear some stories that someone came, went out and met a spirit and in a pub and they went home. Et vous verrez que depuis que l'évangile a pris du terrain, and you see that since the gospel is spreading, tu n'entends plus de pareilles histoires. We cannot hear such stories. Mais si la guerre prend place maintenant, s'il y a aussi le désordre, les assassinats, les meurtres, les viols prennent place, if there is disorder and murders now, tu peux même rencontrer Satan sur la route. You can even meet Satan on the way. Parce que c'est un terrain ténébreux. Because it is a land of darkness. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Mais ce qui est intéressant dans ce passage, what is interesting in this passage, c'est que le Seigneur nous montre la voie du succès dans la bataille. Is that the Lord shows us the way to success in the battle. Le Seigneur nous révèle qu'il y a des armes de Dieu. The Lord reveals to us that there are arms of God. Il y a des choses que nous devons posséder. There are things that we must possess pour tenir ferme, in order to stand, pour combattre and fight. Et après avoir même remporté la victoire, pour que tu restes ferme et debout. And even after winning victory, for you to stand. Il y a des gens qui aiment la prière. There are people who love prayer. Mais il faut se préparer. But you must get prepared. Il faut vérifier si tu es dans la justice, si tu es dans la vérité. You must check if you are in righteousness, in truth. Tu peux trouver quelqu'un qui vit dans le concubinage. You can find somebody who is living in concubinage. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. It may be a man or a woman. Mais cet homme ou cette femme est convaincu que il est un enfant de Dieu. Il ou elle est un enfant de Dieu. And that woman or that man is convinced that he or she is a son, a child of God. Dans les liens de concubinage. While living in concubinage, tu peux trouver un ivrogne. You can find a drunkard. Même sa danse, même tu sens la danse des ivrognes. Mais il est convaincu que quand il va mourir, et on va bien l'enterrer avec les honneurs et puis il va aller au ciel. You can find even that drunkard while he's dancing. You can feel that he's drunk, and he's convinced that when he dies, he will be buried with honors and he will rise up to heaven, go up to heaven. Il n'aime pas la vérité. He does not love truth. Il n'aime pas la vérité. He does not love truth. Quand tu n'aimes pas la vérité, when you don't love truth, tu ne peux pas combattre spirituellement. You cannot fight spiritually. Tu peux trouver des gens qui ont des dettes. Ils ont de l'argent dans leur compte. Ils ont des dettes. Ils ne payent pas. Mais ils sont convaincus que Dieu va exaucer leurs prières. You can find some people who have some debt. They have money in their bank account, but they don't pay it. But they are convinced that God will grant their prayer. Quand il y a une crise dans une relation, when there is a crisis in a relation, Dieu bénira, God will bless, celui qui va initier la réconciliation, the one that will initiate reconciliation. Pas nécessairement celui qui a raison. Not only the one who is right, c'est celui qui commence à aller vers la paix. But the one that start going toward peace. Ça veut dire que certaines personnes créent les conditions pour perdre les combats, pour perdre la bataille. It means that some people create conditions for them to lose the battle, the fight. Tu ne salues pas ton frère. You don't greet your brother. Mais tu vas à la prière. But you go to prayer.
Tu ne reconnais pas ta faute. You don't recognize your fault. Mais tu vas à la prière. But you go to prayer. Tu es indulgent envers toi-même. You are indulgent toward yourself. Tu te pardonnes facilement. You forgive yourself easily. Tu te justifies. You justify yourself. Tu condamnes facilement les autres. But you easily condemn the others. Tu veux toujours corriger les autres. You always want to correct the others. Tu ne te corriges pas toi-même. But you don't correct yourself. Tu n'es pas juste. You are not right. Tu ne peux pas combattre. You cannot fight. Tu n'es même pas debout. You are not even standing. Dit, afin de pouvoir tenir ferme. Because he said for you to stand firm. Après avoir tout surmonté. After overcoming donc, everything. Tu es couché même, tu es couché. You are down, you are lying down. Tu vas aller à la guerre étant couché. And you want to go to war being lying down. Quelqu'un qui n'a pas pardonné. Someone who has not forgiven. Il n'a pas pardonné. He has not forgiven. Mais il veut que tout le monde pardonne. But he wants everybody to forgive. Que tout le monde lui pardonne toutes ses offenses. And he wants everybody to forgive him his offenses. Il n'est pas juste. He's not right. Il n'est pas juste. He's not right. Il n'est pas vrai. Il n'est pas juste. He's not righteous and he's not true. Il y a des gens, son âge est faux, son nom est faux, sa nationalité est fausse, tout est faux. Mais il veut gagner toutes les batailles spirituelles. There are some people, their age is false, their nationality is fake, and everything is false, fake around him, but he wants to win all the spiritual battles. La vérité, la justice. Truth and justice. Les armes de Dieu. The armor of God. Il dit, tu prends le courage. He said, you take courage. Le zèle. Zeal. L'enthousiasme. Power. L'œuvre de Dieu se fait par des hommes zélés. The work of God is done by zealous people. Jésus, il est dit de Jésus, le zèle de ta maison me dévore. It is said of Jesus that the zeal of your house eat me up. Quand tu as affaire, fais avec la force. When you have something to do, do it with strength. Même les décisions, quand tu dois décider quelque chose. Even the decisions, when you want to, you have to decide something. Décide. Decide. Avec zèle. With zeal. Et accomplis avec zèle. And fulfill it with zeal. Ne fais pas comme les escargots. Do not do as the snails. Sors des tentacules, tu vérifies. They take out the antenna and check if there is no danger. When there is a danger, he comes back. He withdraws. Et même quand tu as vérifié qu'il n'y a pas de danger, tu te déplaces comme ça. And even when you have checked and there is no danger, you move slowly. Le zèle de ta maison me dévore. The zeal of your house devours me. Il faut un empressement. You must be hurry. Parce qu'un homme de foi ne vérifie pas. Ne vérifie. Because a man of faith does not check. Il s'engage. He commits himself. Hallelujah. Praise the Lord. Il saute. He jumps. Il tombe dans le champ de bataille. And fall in the battlefield. David est entré dans la bataille contre Goliath sans préparation, sans échauffement. David got into the battle against Goliath without any warming up. Il a entendu les injures. He heard the insults. Il a déposé les bagages. And he let down his luggages. Et dit, si quelqu'un tue cet homme, qu'est-ce qu'on va lui donner? And he asked, if someone kills that man, what will be given to him? Hallelujah. Tu dois avoir la foi. You must have faith. Tu dois être radicalement convaincu que cette affaire est l'affaire de Dieu. You must radically be convinced that this matter is the matter of God. Frère, nous devons. Brethren, we must. Que Jésus est là. Pour le succès de la croisade. For the success of the crusade. Chacun doit croire que Jésus est dans la salle. Each and everyone must believe that Jesus is in the hall. Chacun doit croire que Jésus habite en lui. Each and everyone must believe that Jesus dwells in him. On ne doit pas te voler ça.
This must not be stolen from you. Même si tu as même si tu as des difficultés dans la vie. Even though you have difficulties in life. Avoir une difficulté ne veut pas dire que Jésus n'est pas en toi. Going through a hardship does not mean that Jesus is not in you. Alléluia. Praise the Lord. Écoutez. Listen. Il dit, he says, tenez donc ferme. Stand firm. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Having put on the breastplate of righteousness and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Above all, taking the shield of faith. Pour faire quoi? To do what? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable, du malin. With which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Prenez aussi le casque du salut. And take the helmet of salvation. Et l'épée de l'esprit. And the sword of the spirit. Qui est la parole de Dieu. Which is the word of God. Et puis il dit. And he says. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Praying always with a prayer and supplication in the spirit. Being watchful to this and with all perseverance and supplication for all the saints. Chacun doit être convaincu. Each one must be convinced qu'il est sauvé. That he is saved. Le casque du salut. The helmet of salvation. Même si tu es dans un profond sommeil. Even if you are in a deep sleep. Si quelqu'un te demande, est-ce que tu es sauvé? If someone asks you, are you saved? Dans le subconscient, in your subconscious, tu dis oui, je suis sauvé. You say yes, I am saved. Ça veut dire que tu es vraiment touché. It means that you are really moved. Il y a des croyants qui doutent même. There are believers who even doubt. Ils ne sont pas sûrs. They are not sure. Quelqu'un fait un petit rêve, s'il est négatif, il doute. Someone makes have a small dream. If it is negative, he doubts. La Bible dit que Christ habite en nous par la foi. The Bible says that Christ dwells in us by faith. On ne sent pas ça. We don't feel it. On croit. We believe it. Qu'il a dit. That he said. Je serai en vous. I shall be in you. Vous connaîtrez. You shall know. Que je suis en mon Père. That I am in my Father. Mon Père est en moi. And my Father is in me. Que je suis en vous. And I am in et you. Que vous êtes en moi. You are mine. Si tu crois. If you believe. Que Jésus Christ habite en toi. That Jesus Christ indwells you. Tu es qualifié. You are qualified. Il y a des doutes qui portent de grandes malédictions. There are doubts that bear great curses. Tu peux avoir des doutes que les frères ne t'aiment pas, mais attention. Ne doute jamais que Jésus est en toi. You may have doubts that the brethren do not love you, but watch. Do never have doubts that Jesus is in you. Parce que c'est une promesse sûre et éternelle. Because it is a very certain promise and also everlasting one. Ce n'est pas quelque chose que tu inventes. It's not something that you invent. Et il dit, priez pour tous les saints. He said, pray for all the saints. C'est une arme. It's a weapon. Priez pour les frères. Praying for the brethren. C'est une arme. It's a weapon. Et c'est par là qu'on va commencer ce soir. And that's where we are going to start tonight. Tu vas prier pour toute personne qui t'a dit un jour, priez pour moi. You will pray for any person who once told you, pray for me. Chacun dépose d'abord son dossier de côté, tu prends pour les autres. You first of all lay down your file aside and you take that of the others. Si tu viens d'une église locale, if you are from a local church, tu vas prier pour cette église là aujourd'hui. You are going to pray for that church today. Tu pries pour ton faiseur de disciples. Tu pries pour tes disciples.
You pray for your disciple maker and pray for your disciples. Tu pries en langue, tu pries avec intelligence. You pray in tongue and pray with intelligence. Si tu ne l'aimes pas, avant de prier, tu confesses d'abord le manque d'amour et puis tu commences à l'aimer et puis tu pries. If you don't love him before you start praying, you first confess the lack of love and then you start praying. Tu pratiques si c'est quelqu'un qui te doit. If it is someone who owes you. 10 ans. 10 years. Quand il te voit, il fuit. When he sees you, he runs away. Tu sens même qu'il peut mourir même avec les dettes. You can even feel that he can die with the debts. Tu pardonnes. You forgive. Tu l'appelles, tu dis, garde ça, c'est fini. You call him and he say, forget about this, it's finished. T'inquiète pas, Dieu va te bénir. Do not worry, God will bless you. Libère seulement un prisonnier. Just release that person. Et si c'est toi qui dois. And if you are the one who owes. Si tu n'as rien pour payer. If you have nothing to pay. Tu dis à Dieu. Tell God. Je suis prêt. I am ready. Dès que je serai béni. As soon as I'm blessed, je vais tout réparer. I will repair everything. Il est notre avocat. He is our lawyer. Il saura te défendre. He will know how to defend you. Il est des petits enfants. He said, little children. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. I'm writing you these things for you not to sin. Mais si quelqu'un a péché, but if someone has sinned, nous avons auprès du Père, we have toward the Father, un avocat, a lawyer, Jésus-Christ le juste. Jesus Christ, the just. Il est lui-même une victime propitiatoire. He himself is a sin offering. Pas seulement pour nous. Not only for us. Mais pour le monde entier. But for the whole world. Un avocat. He is a lawyer. Jésus Christ. Jesus. Le juste. The just. Il va dire au père qu'il n'a rien pour restituer, il faut laisser. He will tell the brother he has nothing to pay back, so forget about it. Comme j'ai planifié. Sa prospérité, il va régler. And he will settle everything. Et vous voyez, le frère Soro est devenu fonctionnaire à Troyes. You see that il dormait en haut, il dormait quelque part là tous les jours. The brother has become a civil servant. Dieu peut faire pour toi ce qu'il a fait pour Soro. God can do for you what he did for Brother Charles. Praise the Lord. Mais avant ça, il a vu un immeuble qui s'écroulait. But before that, he saw a building that fell down. En fait, Dieu parle de plusieurs manières. God speaks in different ways. Et il t'a même déjà parlé aussi. And he has spoken to you already. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La lutte n'est pas contre la chair et le sang. The battle is not against the flesh and the blood. La lutte, the fight, a besoin des armes de Dieu. Needs the weapons of God. Les armes de Dieu. The weapons of God. Il y a des gens qui pensent que si tu dis la vérité, tu vas perdre. Some people think that if you tell the truth, you will lose. Au contraire. On the contrary. C'est la vérité qui t'introduit dans le sanctuaire de Dieu. It is the truth that will take you into the sanctuary of God. C'est la vérité qui amène Dieu dans tes batailles. It is the truth that brings God into your battles. Un jour, one day, il y a une sœur, son mari était un persécuteur incrédule. There was a sister whose husband was a persecutor, an unbelieving persecutor. La sœur est venue à l'adoration, elle était jeune convertie. She came to the church service, she was a young convert. Son mari lui a posé des questions, elle a menti. Her husband asked her questions and she lied. Je lui ai dit, tu as perdu. I told her that you have lost. Le Saint-Esprit ne manie pas le mensonge. The Holy Spirit does not manipulate lies. Si tu disais la vérité, if you told the truth, le Saint-Esprit allait se saisir de cette vérité. The Holy Spirit would have laid hold of that truth. Pour te donner la victoire. To give you victory. Elle a demandé pardon à Dieu. She asked God to forgive her. Après la dit la vérité à son mari. Later on, she told the truth to her husband. Il a donné la vie à Jésus. He gave his life to Jesus. Si tu veux que Dieu soit avec toi dans la bataille, if you want God to be with you in a battle, dis seulement la vérité. Just tell the truth. Il va vivifier. He will give life. Ce que tu as dit. To what you said. Ça va poursuivre les gens même dans leur sommeil. It will pursue people even in their sleep. Mais si tu as menti, but if you lied, il ne peut pas utiliser ça. He cannot use it.
C'est pour cette raison que vous verrez, les gens qui prêchent un évangile authentique gagnent plus d'âmes que ceux qui les flattent. Ceux qui les flattent, ils veulent être gentils pour qu'on dise que toi, tu sais prêcher, tu n'es pas comme les autres. That's why you see, those who preach a genuine gospel wins a lot of more souls than those who use to lie. I mean, to preach the gospel by flattering. Tu mets les demi-vérités dedans. Donc cet esprit ne peut pas utiliser. You introduce half-truth in it. The Holy Spirit cannot use it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Garde le silence. Keep quiet. Mets la vérité. And put truth. Prends la justice. Take justice. Mets le zèle. Mets la foi. Add zeal and faith. Mets la parole. Mets la prière. Put the word. Mets l'amour des frères parce que tu vas prier pour eux. Put the love of the brethren because you are going to pray for him. Revêt-toi des armes de Dieu. Put on the armor of God. Abandonne tout péché commis consciemment. Abandon any sin that have been committed consciously. Abandonne. Confesse. Forsake and confess. And forsake. Là, ne dis pas que tu vas réfléchir. Here, do not say that you are going to reflect. Dieu est là. God is here. Le Saint Jésus est là. The Lord Jesus is there. Quand vous entendez des gens dire, j'ai vu les médecins venir. Il y a les anges qui n'attendent que ça. Dès qu'on commence à prier, Dieu commence à leur donner des ordres. Allez-y, à jamais mes enfants sont en train de crier là-bas. Va vérifier, va voir ça. You hear some brethren saying that they saw some doctors coming to make operation. The angels, there are angels who are there who are just waiting for that. Quand ils arrivent, ils voient des gens avec les chaînes, ils commencent à délier. Vous entendez, aïe, 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 aïe. When they come and see people with bondage, they start breaking the chains and you can hear, aïe, aïe, people are shouting. Même si tu es dans l'eau, sous l'eau, ils vont aller t'enlever. Even though you are on the water, under the water, they will go and remove you. Prie avec zèle. Pray with zeal. Prie avec ferveur. Pray fervently. Prie avec persévérance. Pray with perseverance. Prie en langue. Prie dans pray in tongues. Si tu veux même parler ta langue maternelle. If you want speak, I mean use your mother choisis tongue. La langue qui te donne un bon vocabulaire, des mots authentiques. Use the language that gives you good vocabulary or genuine words. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Père, commence à prier. Father, start praying. Oh Père, que ta paix, que ta miséricorde, que ton pardon soit accordé, que les armes de Dieu soient revêtues, les armes de Dieu, la justice, la vérité, la justice, le zèle, oh Père, la foi. Oh, la parole, l'épée de l'esprit. Pardonne la négligence. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu demandes pardon à Dieu parce que tu réalises maintenant que c'est avec elle. C'est elle qui est l'épée que l'esprit utilise. If you don't love the word of God, then ask God to forgive you because you now realize that it is the word of God which is the sword of the spirit that the spirit uses. Tu dis à Dieu, je commence la lecture de la parole ce soir. You tell God, I'll start the reading of your word tonight. Merci, merci Seigneur. Maintenant, now, si tu as fini, tu dis merci au Seigneur. If you are finished, you say you give thanks to the Lord. Dis merci au Seigneur. Give thanks to the Lord. Et puis, and tiens-toi debout. Stand on your feet. Tu vas chanter un cantique nouveau maintenant. You are now going to sing a new song. Tu vas le créer maintenant. Tu vas le chanter maintenant. You are going to create it now and sing it now. Commence. Start. Crée maintenant et chante-le. Create it now and sing it.
Prie maintenant pour les frères. Now pray for the brethren. Prie pour ton dirigeant. Pray for your leader. Prie pour ton faiseur de disciples. Pray for your disciple maker. Prie pour tes disciples. Pray for your disciples. Prie pour ceux avec qui tu adores Dieu. Pray for all those who whom you prie pour ceux qui vivent avec toi dans la maison. Pray for those who live with you in the house. Prie pour tous les saints. Prie avec ferveur. Pray fervently. Prie pour mettre fin à la difficulté. Pray to put an end to the difficulty. Prie pour attirer l'intervention divine dans leur vie. Pray for the divine intervention in their life. Demande à Dieu d'intervenir dans leur vie. Ask God to intervene in their life. Demande à Dieu de fortifier ceux qui sont faibles. Ask God to strengthen those who are weak. Demande à Dieu de fortifier ceux qui veulent tomber. Ask God to strengthen those who are on the point of falling. Demande à Dieu de leur donner la révélation. Ask God to give them revelation. Qu'ils aient la connaissance. To give them knowledge. La révélation. Revelation. La connaissance. Knowledge. L'amour. Love. La vigueur. Strength. Le courage. Courage. Kurabaka shurubaka laka shurubaka. Kurabaka shurubaka kabajerubaka kabajerubaka. Kurubaka sharubaka laka shirubaka shirubaka. Umbaraka sambaraka. Demande à Dieu qu'ils aient la puissance pour témoigner. Ask God to give them the power to testify. La puissance pour témoigner. The power to testify. Demande à Dieu qu'il leur donne la puissance pour la communion fraternelle. Ask God to give them the power for brotherly fellowship. Demande la puissance pour la communion fraternelle. Ask the power for brotherly fellowship. Demande qu'ils aient l'amour de la parole de Dieu. Ask God for the love of the word of God. Pray for them. Oh, je plaide. Père, agis. Oh, agis. Pour lire les livres chrétiens. Ask the power to read Christian literature. Demande la puissance pour abandonner le péché. Ask the power to abandon sin. Prie en langue. Pray in tongues. Prions en langue. Pray in Seigneur, say Lord, pardonne à ceux qui ont péché. Forgive those who have sinned. Pardonne à ceux qui ont désobéi. Forgive those who have disobeyed. Pardonne à ceux qui ont rétrogradé. Forgive those who have backslided. Pardonne à ceux qui ont abandonné leur poste. Forgive those who have abandoned their post. Pardonne à ceux qui travaillent en murmurant. Forgive those who work by murmuring. Pardonne à ceux qui travaillent avec des cœurs divisés. Forgive those who are working with divided hearts. Pardonne à ceux qui ont commencé à convoiter le monde. Forgive all those who have started coveting the world. Pardonne à ceux qui ont commencé à convoiter les choses qui sont dans le monde. Forgive those who are coveting the things of the world. Pardonne à ceux qui ont abandonné leur consécration à toi. Forgive those who have abandoned their consecration to you. Pardonne à ceux qui ont abandonné leur consécration aux frères. Forgive those who have abandoned their consecration to the brethren. Continue à prier en langue. Continue to pray in tongues.
Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Veuillez vous asseoir. Get seated, please. Adore le Seigneur Jésus. Dis-lui qu'il est grand, il est puissant. Worship the Lord Jesus. Tell him that he's great. Oh, Jésus, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Et chantons ce chant à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Let us sing this song to the honor of our Lord Jesus. Chante-le de tout ton être. Sing it with all your being. Mais y ta pensée, ton intelligence. Fix your understanding, your intelligence on it. Sainteté, digne de louange. Il n'y a pas de spectateur. Oh Seigneur, qui est comme toi? Oh Seigneur, parmi les dieux, qui est comme toi? Magnifique en sainteté. Adore-le. Worship him. Comme celui qui guérit nos maladies. As the one who heals our sickness. Adore-le. Worship him. Comme celui qui pardonne nos péchés. As the one who forgives sins. Adore-le. Worship him. Comme celui qui chasse les démons. As the one who casts out demons. Comme celui qui restaure. As the one who restores. Comme celui qui rend prospère. Comme celui qui brise les chaînes. As the one who breaks the yoke. Comme celui qui brise les chaînes. As the one who breaks the chains. Comme celui qui libère les prisonniers. As the one who releases the prisoners. Qui libère les prisonniers. Who releases the prisoners. Comme celui qui donne la vie, qui donne la vie. As the one who gives life. Oh, comme celui qui donne la vie, qui donne la vie. As the one who gives life. Comme celui qui disperse nos ennemis. As the one who scatters our enemies. Oh Père, souviens-toi de moi dans ta bonté. Remember me in your goodness. Dis, oh Père, say, oh Father, souviens-toi de moi dans ta bonté. Remember me in your goodness. Oh Père, oh Father, par tes compassions, by your compassions, par ta miséricorde, by your mercy, et par ta richesse infinie, by your infinite rich, viens mon secours, come and help me, présente-lui tes besoins, present your needs to him, parle-lui, speak to him, dis-lui que tu as besoin de lui,
tell him you need him. Tu as besoin de son intervention. You need his intervention. Tu as besoin de ton intervention. You need his intervention. Ora kabakashi bakara bakasi bakashire. Ora bakasaba kashi bakara kama. Ora bakasaga baka. Ora kabakana baka. Nous proclamons que tu es le Dieu qui délivre. You are the God that delivers. Tu es le Dieu qui pardonne. You are the God that forgives. Tu es le Dieu qui sauve. You are the God that saves. Tu es le Dieu qui guérit. You are the God that heals. Tu es le Dieu qui restaure. You are the God that restores. Tu es le Dieu qui élève. You are the God that lifts up. Tu es le Dieu qui glorifie. You are the God that glorifies. Tu es le Dieu de justice. You are the God of justice. Tu es le Dieu de paix. You are the God of peace. Ton règne, your reign, est un règne de bonheur. Is a reign of good de paix, happiness. Reign de joie. It's a reign of joy and happiness. Exauce-nous, Père. Grant us, Father. Viens, viens, exauce-nous. Come and grant us. Renverse toutes choses qu'il faut renverser. Overflow everything that should be overflowed. Apporte-nous ton secours. Bring us your help. Nos ennemis sont nombreux. Our enemies are numerous. Nos ennemis sont nombreux. Our enemies are numerous. Ils nous poussent pour nous faire tomber. And they push us to make us Ils fall. Ils veulent se réjouir de nos malheurs. It rejoices our Ordonne la joie et la paix pour ton peuple. Order joy, peace for your people. Ordonne la joie et la paix pour ton peuple. Command order and joy for your peace. Continue à prier. Continue to pray. Kalabaka sharaga bagalaga shirgalaga baga. Kurgabaga shirgalaga baga shirgalaga baga. Shirgalaga shirgalaga sharaga baga. Shirgalaga shirgalaga baga. Kurumaka sangara baga. Kurgabaga. Dieu, oh Père, say, oh Father, arrache tes enfants, take your children, d'entre les mains de leurs ennemis, from the hand of the enemies, agis sous les eaux, agis, act under the waters, agis sur la terre, act under the earth, agis dans les lieux célestes, act in the heavenly realm, agis dans les mers, act in the agis air, dans les fleuves, act in the agis rivers, dans les rivières, act in the rivers, agis dans les torrents, act in the agis dans les lacs. Act in the lakes. Agis dans les lagunes. Act in the lagoons. Agis dans les marigots. Act in the trees. Agis, agis partout. Act everywhere. Où on puisse trouver une force du mal concentrée. Dis agis, agis dans les lieux arides. Agis dans les déserts. Act in the desert. Agis dans les collines. Act in the agis hills. Sous les collines. Act on the hills. Agis dans les montagnes. Act on mountains. Agis dans les forêts. Act in forests. Dans les forêts sacrées. In sacred forests. Dans les savannes, dans les savannes. In savannah, in the forest. Agis dans les ventres des monstres. Act against the monsters. Fends-les. Divide them. Que tout ce qui est avalé soit vomi. Let all that have been stolen. Qu'il n'y ait aucun captif, aucun captif. Let no captive. Qu'il n'y ait aucun prisonnier. Let there be no prisoner. Aucun captif, aucun captif. No captive, no captive. Oh karabaka sharaga bagalaka sharaga bagalaka sharaga baga. Urbaka sharaga bagalaka sharaga baga. Urbagalaka shibara. Kanda ramasinga ramaka. Bagalaka shibara. Bagalaka. Bagalaka shibara bagala. Deep. Oh Père, say, oh Father, même nos biens even our goods doivent être libérés. Must be released. Tout ce qui nous appartient all that belongs to us doit être libéré. Must be released. Ordonne command la libération de notre héritage. The releasing of our heritage. Continue à prier. Undurika bakala bakandza zantu yada hina yera bakasala bana yera bakadala bakasala bana yera bakala bakadala bana yera bakala bakasala bana bakasika bakala Dis Seigneur Jésus, c'est là Jesus, quand ton nom in your name des maladies disparaissent. Let sicknesses disappear. Toute maladie dite incurable disparaisse. Any sickness which is incurable. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que toute maladie disparaisse. Let any sickness disappear. Que toute maladie disparaisse. Let any sickness disappear. Que les petites maladies comme des grandes maladies disparaissent. Let small sicknesses and great sickness disappear. Dis maladie, toutes les maladies, maladies c'est maladie, tu dois partir. Sicknesses.
sortir au nom de Jésus. In the name of Jesus. Quelle que soit ta taille. Whatever your size. Une maladie, c'est une maladie. A sickness is a sickness. Ne reste pas. Do not stay. Dans aucun corps dans cette salle. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. In anybody in this room. Go. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, que tous les organes soient renouvelés. Let all organs be renewed. Que tous les organes soient renouvelés. Let all the organs be renewed. Que le cœur soit renouvelé. Let the heart be renewed. Que les cœurs soient renouvelés. Let the hearts be renewed. Que les poumons soient renouvelés. Let the lungs be renewed. Que chaque foie soit renouvelée. Let any liver be renewed. Que le foie soit renouvelé. Let the liver be renewed. Que le pancréas soit renouvelé. Let the pancreas be renewed. Que la rate soit renouvelée. Let the right be renewed. Que le cerveau soit renouvelé. Let the que les nerfs, tous les nerfs soient renouvelés. Let the nerves, all the nerves be renewed. Que tous les nerfs soient renouvelés. All the nerves. De toute sorte que tous ceux qui sont paralysés marchent, marchent. Let all those who are paralyzed walk, walk. Que les yeux soient guéris de toute maladie. Let the eyes que ceux qui ne voient pas ouvrent les yeux et voient au nom de Jésus-Christ. Let those who don't see open their eyes and see in the name of Jesus. Que ceux qui ne marchent pas commencent à marcher. Let those who don't walk start walking. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que la vie entre dans chaque corps. Let life get into anybody. Que la vie chasse l'esprit de mort. Let life cast away the spirit. Que la lumière de la vie chasse tout esprit de mort. Let the light of life cast out the spirit of death. Que les cœurs qui avaient déjà accepté la mort se rejettent la mort maintenant. Let the hearts that have already accepted death reject death now. Que toute personne qui avait accepté l'idée de mort rejette cette let idée anyone maintenant. Who had accepted the idea of death reject that idea now. Que par la foi chacun reçoive la vie. Let each one receive life by la vie, faith. La vie, la vie, la vie, life, la vie. Life, life, life. La vie, la vie, la life, vie, la vie. Life, life, life. Dieu au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Que tous ceux qui sont restés à la maison, qui sont malades, guérissent au nom de Jésus. Let all those who are home, who are healed, be healed. Qu'ils guérissent, qu'ils guérissent. Be healed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Des maladies. Say sickness. Et tous les démons derrière toi. Let all the demons behind tous you. Les démons derrière la maladie. All the demons behind nous vous sickness. Enchaînons. We enchain you. Nous vous enchaînons. We put you in chains. Nous vous précipitons dans les abîmes. We cast you in the abyss. Nous libérons les corps. We release et the nous les bénissons avec la vie. And we bless them with life. La vie, la vie, la vie, la life, vie. Life, life, la life. Vie, la vie, la vie. Life, 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 la life. Vie, la vie, la vie, la life, vie. Life, life, life. Assieds-toi. Get seated, please. Garde le calme devant le Seigneur. Keep quiet before the Lord. Il n'a pas changé. He has not changed. Il restaure. He restores. Il élève. He lifts up. Il glorifie. And he glorifies. Il lave la boue. He washes from the mud. Ceux qui étaient rejetés verront qu'ils sont déjà honorés. Those who were rejected, we see that they are honored. Bientôt, les gens viendront te dire, pardonne-nous. Very soon, people will come and say, forgive us. Quand ils viendront, il faut pardonner. When they come, forgive them. Parce que Jésus travaille pour toi. Jesus works for you. Jésus travaille pour toi. Jesus works for you. Si tu avais commencé une affaire, if you had started a business, qui avait échoué, which failed, reprends. Take it again. Ça va marcher. It will work. Tu as conçu, c'est tombé, tu as conçu, c'est tombé. La prochaine fois, ça ne tombera plus. You conceived, it fell, and you conceived, it fell. Next time, it will not fall anymore. Ça ne tombera plus. It shall not fall anymore. Tous tes projets de mariage ont échoué à la dernière minute.
If your project of wedding failed at the last minute, la prochaine fois, the next time, non seulement que ça n'échouera pas, it will not only mais ça sera fail, accéléré. It will not fail, but it will be accelerated. Ça sera accéléré. It will go quickly. Et tu sauras que le doigt de Dieu est dessus. And you shall know that the finger of God is upon it.